Fangio débarque en Europe et devient le prince du volet. 5 titres mondiaux entre 1950 et 57, Alfa Romeo, Mercedes et Ferrari lui donneront 27 victoires en 51 Grands Prix disputés. Ceux qui l'ont connu en parlent encore avec émotion. Pour moi, il écrasait tous les autres pilotes, sa personnalité, son contact avec, avec tout le public et avec les médias, il était toujours, c'était un être disponible. Et ça, c'était quelque chose de formidable d'ailleurs. C'est la légende dit toujours qu'il est venu comme Fangio, ou bien le Fangio, c'est resté, ça fait quand même 50 ans. 50 ans après, encore on en parle de Fangio. Mécanicien de formation, Fangio avait également une connaissance extrême de ses monoplaces, garantie de sécurité, car au cours de sa carrière, il n'a connu qu'un seul accident grave. Il faut dire qu'il a perdu 52 quand on voit la course, comme on dit, tous, à l'exception de Fangio, Gonzalez, Cyril Moss, Biologie et Pilote Italienne. Maurice Trintignant, deux fois vainqueur en Formule 1, fut un fidèle compagnon du quintuple champion du monde. À 84 ans, l'Argentin connaissait depuis plusieurs années quelques alertes, infarctus et contacts. L'être humain est comme un moteur, il vieillit mal s'il n'est pas utilisé chaque jour, disait-il. Je sais que je suis au bout du chemin, mais quel chemin? En France, manifestation à La Rochelle, ce matin, rassemblement de soutien au sein de M. Fritz, sur la décision du maire de cette crépeau, pardon, vous savez, de l'interdit et de mendier la rue de la ville, une décision qui a soulevé une polémique ce matin à Bordeaux, où le Premier ministre a jugé facile de prendre un arrêté municipal contre la municipalité, qui serait donné bonne conscience, un peu de l'idée de la politique, a dit en hésité. Pourtant, d'autres villes, dans cette période de vacances, ont décidé de suivre l'exemple. C'est notamment le cas de Valence dans la Drôme, où les mondiaux depuis ce matin n'ont plus droit de se placer vidéo. Difficile de ne pas croiser le regard et d'échapper à l'armée qui se tombe. Ils sont SDF, gens du voyage, saisonniers ou touristes de passage en route pour le rivage de la Côte d'Azur. Et tout charpente les rues de Valence en tenant de quelques sous. Une situation qui se renouvelle cet été et que le nouveau maire ne veut plus tolérer. Nous sommes touchés par ce phénomène qui a fait toute la masse à Valence. Les jeunes circulaient effectivement au point de verser une belle idée et de leur public qui était en tout cas Valence. Donc je crois qu'il fallait marquer un peu le coup au niveau de la volonté politique de la nouvelle municipalité sans tomber, je dirais, dans un côté exclusivement répressif. L'arrêté municipal rassure les habitants et les commerçants du centre-ville sur ce sujet sensible, les pétitions ne manquent pas. Beaucoup se plaignent de l'agressivité de certains, du bruit et du désordre. Ils ont pas avec le passage, les touristes qui se promènent dans la rue, hein, ils viennent sauter en plus. Voilà. Et tout ça, c'est pour acheter du billet de verre. C'était pour manger, je comprends, mais... Pour nous, c'est réfractaire à notre commerce, et en particulier chez nous, où les gens sont agressés même à l'intérieur de la pharmacie. Par cette interdiction, la mairie a joué le volet social. Les services d'hygiène et de santé de la ville sont appelés à la rescousse, à eux de prendre en charge cette population d'opinion et non policiers. Mais pour ceux qui ont élu la rue comme unique territoire, tout cela est vécu comme une humiliation. Nous, on est là pour moi, je suis là pour gagner les taxes. Pour pouvoir manger un petit morceau. Alors maintenant, si on m'empêche de manger un morceau, moi je sais. Si on fait ça, c'est qu'on n'est pas des voleurs. Tu vois, notre maison, elle est là. Elle est sur notre dos, et pourquoi qu'on nous rejette? À la mairie de Valence, on est fier de ne pas vouloir jouer les pertes fouettards et agir en douceur. Mais pour les associations caritatives, prendre un tel arrêté revient à exclure un peu plus.
souvent en faisant le dossier Bosniak, un peu très lourd aujourd'hui, avec d'abord l'impression toujours très forte de faire le tour de l'enclave musulmane de Zépan, qui sont à moins d'un kilomètre du centre de la ville, et menace d'ouvrir le feu sur la pointe de casque bleu qui propose la ville si les avions de l'État interviennent. François Pamp. Dans ce camp d'étoiles des Nations Unies, près de tout cela, quelques 6 000 réfugiés bosniaques, pour la plupart des femmes et des enfants, ont trouvé soin et nourriture. Après tant de souffrances sur la longue route qui les a menés jusqu'ici depuis Srebrenica, ce camp de Tuzla fait presque figure de l'âme. Mais ici, ces mamans et leurs enfants sont seuls. Leurs maris, leurs pères, leurs frères de plus de 12 ans ont été arrachés à leur famille par les chaînes. Depuis la prise de Srebrenica, elles n'ont plus de nouvelles d'eux. Dans cette désespérance, il faut quand même survivre. Certes, ces femmes et ces enfants sont aujourd'hui plus en sécurité à Tuzla qu'il y a à Srebrenica, mais demain, que deviendront ces réfugiés et tous les autres qui vont grossir leur rang au fur et à mesure de la récession? Celles qui n'ont pas trouvé refuge dans le camp des Nations Unies ont été dispersées dans des écoles, dans des villages, mais partout, c'est la même incertitude. Reverront-elles un jour leur témoignage? Je ne peux pas dire. Ils ont emmené des Bosniaques de l'autre côté de la rivière pour les tuer. Ils ont tenté les jeunes filles pour les violer avant de les ramener vers nous. Comment pouvaient-elles oublier ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, ou ce qu'on leur a raconté en réponse à leurs questions? Nos mamans racontent ce qu'elles ont vu, comment les Serbes ont emmené nos pères et nos frères, comment ils les ont égorgés. Ils ont interrogé un jeune homme quand il a répondu, ils l'ont frappé à toute crosse, ils saignaient. Il saignait de partout. Les Serbes battaient les gens et disaient des atrocités aux jeunes filles et les retenaient prisonnières. Juste avant de passer les lignes de front, les soldats serbes sont montés dans nos camions. Ils nous ont dit, faites descendre les femmes, faites-les descendre, sinon on va balancer les renards dans votre camion. Quelle solution devant un tel drame humain? Comment envisager l'appel de 100 000 Bosniaques des zones de sécurité si l'ONU ne fait rien? Je crains qu'on se retrouve tôt ou tard avec 100 000 personnes venant de partout, sans qu'aucun plan d'accueil n'ait été prévu auparavant. Soit il faut les accueillir en Bosnie, soit il faut trouver une autre solution. Mais y a-t-il une autre solution à cette tragédie qui se déroule jour après jour en toute impunité? Après Srebrenica, les communautés internationales semblent avoir fait son deuil de Zeta pour faire porter ses efforts sur la troisième enclave musulmane située dans l'ouest de la Bosnie, l'enclave de Gorazde, où 60 000 musulmans sont protégés par quelques centaines de casques bleus britanniques et ukrainiens. Une enclave qui, elle non plus, n'est pas à la rue d'une personne. Les explications de Stéphane. À l'aube de la guerre en Bosnie, bien des villes à majorité musulmane auraient pu devenir des enclaves. Mais au fur et à mesure de l'avancée des troupes serbes, seuls trois postes de résistance musulmane ont réussi à survivre à l'est de Sarajevo. Srebrenica tombé la semaine dernière, Zepa sur le point tombé et Gorazde. Gorazde est de loin la plus importante de ces enclaves en surface et en nombre d'habitants, 60 000, dont beaucoup de réfugiés des villages voisins venus s'abriter des combats. Les Serbes ont essayé maintes fois de la conquérir. Depuis l'année de juillet 92, l'ONU avait alors voté une résolution pour y faire passer les convois d'aide humanitaire à la force. Que l'ONU et l'OTAN se disent prêts à intervenir militairement pour défendre Gorazde avait fait de la ville un symbole. Les attaques s'étaient ralenties en 1993, et en février 1994, l'ONU avait réussi à interdire les armes lourdes dans un rayon de 20 km autour de six zones protégées, dont Gorazde. Ce sera sans doute la plus grosse erreur de l'ONU, car pour surveiller ces armes lourdes, les casques bleus avaient dû se disperser dans de multiples endroits, parfois très éloignés de leur base. Ils devenaient des otages potentiels. C'est d'ailleurs à Gorazde encore que les Serbes vont tester cette réponse de l'ONU. En avril 1994, ils repartent de plus belle à l'assaut de la ville. On parle de centaines de morts, de milliers de blessés. L'OTAN menace d'intervenir. L'ONU en empêchera au prix d'une reculade. Le nombre de casques bleus est limité. Les Bosniaques sont partiellement désarmés et l'ONU accuse les musulmans d'avoir exagéré le nombre de victimes et de ne pas avoir défendu la ville pour provoquer une intervention militaire. Gorazde
est aujourd'hui plus que jamais un enjeu majeur de cette guerre. D'abord, parce que la route qui la relie à Sarajevo contrôle l'accès à tous les territoires serbes du sud. Ensuite, parce qu'elle possède une usine d'armement et parce que 800 casquettes bleues, dont 200 britanniques, y sont stationnées. Et enfin, parce que son encerclement mobilise des troupes serbes qui sont indispensables à la conquête de Sarajevo. Le contexte véritable des désastres, l'activité diplomatique reste intense. Son grand succès, toutefois, commençant par Londres, le plan présenté hier par la France, protégé de l'arrivée des désemploiés Sarajevo, a reçu un accueil glacial de la part des Britanniques qui continuent de privilégier la solution politique à long terme. Madame la Spéciale, quand vous vous cachez au bout de Nations Unies, nous tenons et en acte de méprisant. La crise des otages, il y a 6 semaines, c'est de cette crise qu'un nouveau centre de réaction rapide, où l'on a voir ce que l'on voit, l'initiative franco-britannique devait conduire en Bosnie 12 000 hommes armés jusqu'au bout, artillerie lourde, hélicoptère de tanks, blindés, jantotiens, marchés de l'œil, dans le monde, ferme et décide. 6 semaines après, aujourd'hui, ce quotidien populaire titre le gars du drame des réfugiés, la farce même, la farce de réaction rapide, rappelle réaction, tiers de réaction. Et d'expliquer les troupes de l'île britannique de Bosnie sont enlevées à Colchester, l'herbaise, l'une des casernes de la 24e brigade mobile à l'aéroporté. Renseignement pris, 400 hommes seulement ont pour l'instant rejoint la Bosnie dans le cadre de la FRA. Et regardez bien de quel avion des galaxies américaines. Alors, personne ne s'était pas couvert à tout le monde. L'amiral Manxab est passé à grand oral face au chef de commission américain, le tout-puissant général Charles Khashoggi, accompagné de son émergent. Sur la table, deux dossiers, une route pour Sarajevo et coup de force de Gorazde. Gorazde, où sont les télésans. Ce sont les très parallèles, très dangereuses. Pour cela, il faut avoir aussi l'appui diplomatique. De la communauté internationale, des autres politiques qui n'ont pas eu de contact, en particulier des États-Unis. Ce qui n'a pas encore eu lieu. Rien n'a filtré pour l'instant pour le résultat de l'examen de l'Angleterre. Mais on sait que la Grande-Bretagne attend le vote du Congrès américain sur la levée de l'embargo des armes de la Bosnie, levée ou non, avant de se prononcer. Vendredi, une trentaine de ministres de la Défense et des Affaires étrangères se retrouveront ici, au centre de conférence de la Reine Elisabeth. Ils le connaissent. C'était là, en 1992, c'était la première conférence de paix pour l'ex-Yougoslavie. À l'époque, le président Serge Milosevic et Izetbegovic pour la Bosnie étaient présents. Cette fois, ils seront bel et bien absents. Tous, en tous les cas, savent une chose, ce n'est pas à Londres que la décision de passer à l'action ou non se prendra, mais bel et bien à Washington, au Sénat américain. Et précisément, les Britanniques qui attendent pour s'engager que Washington envoie 200 hélicoptères pour transporter troupes et matériel dans les enclaves actuelles, mais les États-Unis aussi se font tirer la balle et les conseils sur place. Ces images des réfugiés de Srebrenica ont autant ému l'Amérique que celles de la famille en Somalie, et un courant d'opinion commence à naître pour que le pays s'implique un peu plus dans le sauvetage des Bosniaques. L'envoi de 200 hélicoptères pour transporter la force de réaction rapide sur Gorazde serait plus facilement acquis si les républicains du Congrès ne s'opposaient pas à tout ce qui ressemble à une intervention américaine, même si ces appareils sont uniquement destinés à transporter des forces alliées que l'Amérique veut aider. Gingrich, porte-parole des républicains au Sénat, a donné le ton ce week-end. There are 20 ways to solve this problem without involving a single American directly. Il y a 20 manières de régler cette affaire sans engager un seul soldat américain. Donc soit on règle le problème, soit on dit qu'on ne contrôle plus rien, et il faut accepter que parfois des tragédies arrivent. This is only a very small step towards greater involvement. It does not. Ce serait seulement un petit pas dans un plus grand engagement américain que d'envoyer des hélicoptères. Ça n'augmenterait pas beaucoup les risques de notre engagement, mais si un pilote américain est abattu, alors oui, politiquement, ce sera une escalade supplémentaire. Les républicains du Congrès pourraient voter dès jeudi la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie. Et ils affirment même avec une tranquille assurance que le président Clinton ne pourra pas s'y opposer. Mais toute décision que pourra prendre l'administration américaine sera de toute façon très limitée pour sauver Gorazde. Les dernières capitales ont négocié aujourd'hui Bruxelles, en Belgique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, ainsi que les ministres russes et les Kuzlov, ont tenté une nouvelle fois autour d'une table de définir une ligne d'action commune. Et la proposition française d'une intervention militaire est loin de la tente de soulever l'enthousiasme à Bruxelles-Philippe.
on sort du brouillard, mais on est toujours à la brume. Ainsi pourrait-on définir cette journée bruxelloise. Rien de concret encore n'a été décidé quant à une intervention militaire pour préserver les zones de sécurité de Koralski et de Sarajevo, mais les points de vue se sont rapprochés, notamment celui des Britanniques qui ne ferment plus les yeux face à une action militaire et indispensable venue d'un attirant. Recherche continue. Quels moyens avez-vous pour essayer de savoir où sont passés ces gens? Encore, nous ne savons pas. On a entendu des témoignages terribles, madame, des témoignages de jeunes filles, de jeunes femmes. Est-ce que vous avez une confirmation qu'il y a eu des viols de la part des médecins au moment de la source sur les médecins? Bien sûr, bien sûr, nous avons les choses les plus importantes et plus urgentes dont vous avez besoin de la nourriture, de vivre la situation dans laquelle vous êtes tous là. Vous pensez qu'il faudrait évacuer toutes ces personnes si on continue à évacuer dans tout cela? On vient d'entendre le désastre humain qui est extrêmement proche, mais la communauté internationale, dans le même temps, semble avoir des difficultés de plus en plus importantes à s'entendre. Bien sûr, mais d'abord, je voudrais saluer la correspondante de la SOE sur ce qu'elle travaille. Et tout ce qui est là-bas, il faut bien penser que Tuzla, l'enclave de Tuzla, elle-même est menacée. Et que c'est ce premier endroit où c'est un grand et l'espoir qui va vivre avec un seul, n'est-ce pas, qui va vivre ensemble. Il y a encore déjà d'autres réfugiés qui ne sont pas notre choix, c'est ça qui ressort de ce témoignage. Et donc l'effort de la communauté internationale, plus d'efforts humanitaires, comme vous dites, qu'il parle, plus que son sort d'abord sur le corps, doit se porter sur ces gens qui sont sur la route et qui ont plusieurs victimes de leur citoyen. Vous pensez que le président de la République a mis en avant le vendredi au cours du 14 juillet la nécessité d'une intervention militaire, limitée certes, mais ferme.
Est-ce que vous approuvez cette décision? Bien sûr, c'est ce que vous dites. Mais en même temps, on va dire d'entre vous qui est toujours dans la demande qui avance, mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes stationnés? Est-ce qu'on va tout moins travailler dans la situation de votre déplacement? Si vous dites ça, j'ai pas aujourd'hui, et peut-être pas, mais encore protégé. Nous avons accueilli depuis avant la nuit de Londres les forces de la communauté internationale sur acte éventuellement de protéger ce qui reste, c'est-à-dire de rajouter 60 000, 50 000 habitants et salariés. Nous sommes en perpétuel récupérateur. Allons-nous nous donner forme sur le monde, sur la nécessité de tendre la main de ces habitants, comme je vous l'ai dit. On va faire appel après avoir beaucoup critiqué à l'humanitaire indispensable. Ça veut dire que l'humanitaire arrive toujours trop tard parce que nos politiques ont fait faillite. Et vous disiez que la déclaration des besoins de la République est une simple déclaration d'intention. Je n'ai pas dit ça. Je sais que vous êtes difficile, dans le contexte que vous avez bien situé, d'avoir appliqué le sentiment général des Anglais, des Américains, je le dis pas ça, je dis que ce sont des mots qui font très plaisir à entendre, et je ne doute pas de sa société virtuelle, je pense qu'au contraire, il a changé. Je pense qu'avant avoir parlé de belligérants, maintenant le président de la République parle des barbares et des victimes, et parle d'un unité d'esprit, et nous approuve ce propos bien entendu. Mais est-ce que cela va suffire? Est-ce que nous ne serons pas obligés, avec cet outil militaire qui paraît tellement plus adapté, tous les pays de l'Union européenne ne devraient-ils pas rejoindre la force de réaction rapide pour qu'il y ait quelque chose de tangible, qu'il n'y ait pas besoin des Américains? Toutes ces questions se posent, mais approuve les efforts de la France, bien entendu, maintenant. Nous avons répondu à la poussière en arrêtant une autre réaction, celle de l'abbé Pierre. Il a écrit aujourd'hui au président de la République en termes très vigoureux pour dénoncer la situation dans l'axe de Fréville et pour lui faire savoir qu'il était prêt à servir de bouclier humain sur le passé. On ne peut pas mener une action politique d'extrême comme cela sans payer des risques qu'il y a des civils qui n'ont pas voulu accepter le risque qu'il y a des Français. Tous les parmi d'entre nous, nous serions confrontés à la réalité et à combat malheureusement ne peuvent pas éviter qu'il y ait des innocents qui soient frappés par la réalité. Et j'ai déclaré, je le répète, que je suis prêt à aller m'en aller dans ce montage. Est-ce que si la communauté internationale continue de ne pas s'entendre, la France peut aller toute seule en Bosnie renforcer son contingent? Honnêtement, je ne crois pas. Je crois que la force de réaction rapide peut opérer sur un endroit, sur une stratégie bien précise. Oui, nous pouvons bien sûr avoir des affaires, des casques bleus, des tirs à partir de la route de l'Union pour protéger le convoi. Oui, la France peut faire quelque chose. Ça me paraît difficile, mais je voudrais dire que, comme d'habitude, la victoire est notre mort, mais que je suis bien sûr prêt, si ça servait à quelque chose, à aller avec lui, avec ses États. Vous pensez que c'est bien sûr que ça peut servir à ses amis. C'est notre rôle, bien sûr, mais c'est surtout la protection, la main que nous avons tendue à ces hommes et à ces femmes qu'il faut continuer de tenir. Ce n'est pas seulement la réaction épidermique, nous sommes pas qui sont menacés, c'est que nous avons promis de protéger ces hommes. Nous leur envoyons des médicaments, c'est très bien, et nous les protégeons toujours plus tard. Alors, cette fermeté française, après 2 ans de tentatives diplomatiques qui finalement ont échoué, cette fermeté française est la bienvenue. Mais ce sont des mots, je l'ai dit, qui font plaisir, mais ce sont aussi des mots qui engagent. Si par hasard, ce que je ne souhaite pas, nous ne sommes pas écoutés par nos amis, alors que vont penser de ces promesses, encore des promesses, nos amis qui sont passés à l'arrivée à la saison-là, une fois pour toutes qu'on sache que l'Union européenne, notre Union européenne, s'est fondée sur les mêmes valeurs que celles qui sont défendues à Sarajevo. Et qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas vu tout de suite, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut absolument, parce que c'est nous qui sommes en question, demeurer ferme et ne pas reculer encore avant en disant je protégerai la dernière encore qui restera, et je ferai la dernière partie. Ça reste très difficile à entendre. Mais si les efforts de la France sont les bienvenus, je crois qu'ils sont bien pris comme cela. Mais les Américains ne vont pas s'engager, c'est depuis le début. Ils en donneraient tout, ils en ont dit non. Il reste d'autres pays européens qui peuvent rejoindre avec des hommes avec du matériel cette force de réaction rapide. Je crois qu'une force européenne serait la bienvenue et aurait beaucoup plus de signification politique. Et là, les Américains viennent répéter. Merci beaucoup pour la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Kouchner, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui pour ce dossier. Et ce de la guerre, merci de cela. Il est très important pour cela. Merci. Le Brésil, maintenant, c'est une petite île coupée de Rio de Janeiro, où elle explose dans des programmes de la marine, une dizaine de personnes. Pour la plupart des militaires, sont portés disparus, explosés. Après 17 blessés. Et puis
chaleur continue de faire que les victimes aux États-Unis, 220 coups de mort ces derniers bilans, des températures autour de 40 degrés et des personnes âgées qui suffoquent. Annonce ou choix. Car 40 degrés à l'ombre, une bêtise d'habitude sans conséquence peut tuer. Parce que le babysitter avait une course urgente à faire, il a laissé deux bébés enfermés dans sa voiture, vitres fermées, ils en sont morts. Avec 30 degrés de l'eau, moi je n'aurais même pas laissé un chien dans une voiture vitre fermée. Alors j'ai laissé deux bébés pour mon fils seul. Depuis 5 jours, la chaleur tue partout, à Chicago, à New York, dans le Middle-Ouest. Les personnes âgées sont les principales victimes de la canicule. Elles sont à la merci de la moindre panne de climatisation ou de ventilateur. Les prochaines victimes que nous verrons cette semaine sont des personnes qui vivent seules, des gens qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Dans la seule journée de dimanche, la chaleur a tué 56 personnes à Chicago. On a dû réquisitionner des camions frigorifiques en guise de morgue. Le maire de Chicago pousse les habitants à aller sur les plages, et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, il a fait ouvrir des bornes d'incendie que les pompiers ont transformées en douches publiques. Aujourd'hui, la température baisse, mais pas suffisamment. Pas de vraies bouffées d'air frais avant mercredi. La satisfaction de la communauté juive après les propos de l'ancien président, le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait et cette première appelle entre autres une question. Cette prise de position peut-elle modifier le jugement de l'histoire et le travail de la justice en tête de l'unité? Trois semaines d'audience devant lesquelles Pierre Laval, merci de la Réunion, Paradis, Libre, Boune, Henri, Vidal, Armand, sont venus soutenir l'affaire Verdun ou accabler l'homme de l'étoile. Le maréchal, lui, avec une partie de ses terres laissée à ses avocats, le soin de la défendre. En juillet 45, était livré à la France par Hitler, était poursuivi uniquement pour collaboration avec l'Allemagne. Mais dans ce procès, il n'y fut pas question de déportation des maréchales, de la rafle de l'Empire et du statut de Fédéric. C'est un procès qui, pour une période de l'échec, il a porté le nom 15 ans par une armistice. Par une loi de 1941 qui a été par l'Assemblée, mais vraiment, comme l'armistice s'imposant, il a très peu parlé de collaboration. Du tout de ce qui fait le procès de l'Empire. 50 ans après, le procès Pétain, c'est-à-dire la décision, il ne reste pas question. 50 ans après le procès Pétain, on n'est pas plus le seul Français à être poursuivi pour crime contre l'humanité. Pour son avocat, M. Lavaux, le jugement moral de Jacques Chirac est sans conséquence judiciaire pour Maurice Pétain et la vie partagée par les historiens. Après le dossier Pétain, le citateur du dossier Pétain, ça lui occupait, donc elle plus à penser sur la part de politique que de pouvoir intervenir dans cette première, ou même la connaissance de l'histoire de cette première de 1936, et de faire aujourd'hui le débat à tout genre, les choses sont chaudes et sont vite, ça ne va pas très bien, mais peut-être qu'on peut entendre plus. Le maréchal Pétain fut condamné à mort, sa peine fut commuée à cause de vie par le général de Gaulle, 50 ans plus tard, le procès de Vichy n'a pas eu lieu, salut, l'histoire est faite. Le candidat au baccalauréat de plus en plus performant, 75% d'entre eux, puisqu'on appelle le capital, c'est un taux de réussite record en Irlande, c'était avec l'équipe de 73,4%. Et puis on a été installé à Bordeaux ce matin le comité d'initiative pour l'emploi en Aquitaine et on a réactivé le tenu de la campagne de Jacques sur l'entreprise citoyenne où le patron a dit le Premier ministre et le maire de Bordeaux doivent épuiser tous les autres moyens de pouvoir procéder à des licenciements. La caravane du Tour de France repart demain pour deux étapes pyrénéennes. Je mets le repos officiellement aujourd'hui. Je mets le boulot, en fait, pour le directeur sportif de l'auto, Jean-Louis Vandenbroek, qui a déployé des trésors d'énergie pour motiver les deux rescapés de son équipe, à Saint-Jean, Thierry Clopeau, vers le parc. Une carte de piste en rouge, non, ce n'était pas une journée de tout retour pour Vandenbroek, le directeur sportif de l'auto. Ce matin, sur la carte de piste, l'ancien champion belge des années 80 avait été
voulu à tout prix accompagner ces deux derniers couverts encore mis de Ben Stark et de Yoda en Disney. Il faudrait que ce petit groupe n'a pas de chance, c'est la plus passionnée du tout. Deuxième semaine, tout le monde avait une oreille à zéro. Aujourd'hui, on fait avec extrait du petit domaine de Sérif Manga. On se rend deux, ce serait très bien. Parce qu'il y a une montagne, on peut se prendre deux, on peut se prendre neuf. Symphonique qui sont
35 000 disques vendus pour un premier album, c'était plus que pas mal. La sensibilité à fleur de voix est pourtant... Non, 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 surtout pas. Parce que Thomas Fersen se fiche pas mal des attitudes de la mer. Il a choisi de tracer tout son sa route, 2 ans et maintenant 2 albums. Ça a commencé avec le bal des oiseaux. C'était partout à la fin. Désormais, toute une expérience, la même chanson avec un orchestre symphonique pour les francophones. Vous l'aurez remarqué, les musiques sont légères, les aromates de bonne humeur avant de mille boules. Mais faire ça, une certaine petite précision. Je ne sais pas qu'on présente du tout, je pense qu'au contraire, il y a certaines choses dans les chansons qui sont là. C'est fou, il y a ce dire. Justement, ce contraste entre le texte un petit peu dur sur les musiques légères. C'est ça, justement, cette espèce de frottement qui mérite. Qui mérite et qui a toutes les chances de le séduire. Ça, c'est Louise qui avait défini la campagne de 34. Des textes sans potence qui touchent dans le mille, quant à savoir le mieux qu'on puisse faire, c'est de crier chute, dévoiler, se savourer, un grand bol de sensibilité avec un homme dans un album. Voilà, c'est la fin de journée. Dans un instant, on va inviter le matin de l'éboué, il y a une température à la hausse, ce sera la canicule à partir d'après. Il y a 24-50 les gens nous gagneront, le dernier journal présenté par Florence Boucher vers 12h40 et demain, n'oubliez pas, écrivez vers 20h. Notre page spéciale en direct de Tour de France, nous retrouverons demain à jour en direct de la ligne d'arrivée, l'étape à Cotterêts.